Le centre de formation professionnelle en horticulture a été choisi donc, pour nous former 37 jardiniers de tous les établissements qui composent l'université, qui a duré 15 jours. Et ça rentre dans le cadre du programme de renforcement de capacité que nous avons initié depuis l'année dernière. Donc nous sommes venus pour voir leur réalisation sur place et peut-être procéder à la remise symbolique des attestations de participation à cette formation-là. Vraiment, on n'a pas regretté le choix. On n'a pas regretté le choix. Je pense que nos agents nous reviendront avec beaucoup de compétences donc, et beaucoup d'aptitudes vraiment pour rendre le campus pédagogique vraiment agréable donc, avec des ornements, avec des aménagements paysagers vraiment qui seront très 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 intéressants. Nous pensons que dans le futur, ce partenariat va se poursuivre, notamment pour l'accueil des étudiants en fin de formation, à savoir les techniciens horticoles et les techniciens supérieurs en horticulture, pour qu'ils puissent faire leur stage au niveau de l'ECAD. L'ECAD aussi, c'est un cadre idéal quand même pour recevoir des techniciens en fin de formation. Nous souhaitons aussi qu'au niveau de l'ECAD, qu'ils puissent quand même nous envoyer quelques-uns de leurs étudiants, parce que le secteur horticole aussi constitue un secteur en plein essor, surtout dans le domaine des plantes ornementales. Nous formons ici non seulement des gens qui sont sur le marché de l'emploi, mais nous formons surtout des entrepreneurs, donc des gens qui sont capables de mettre en place des entreprises pour accueillir un certain nombre d'employés. Le métier, il y a parmi nous qui ont fait ça 30 ans, 20 ans, 10 ans, 11 ans. Donc c'est un métier que nous connaissons et que nous apprécions et que nous aimons. Mais cette formation nous a permis aussi d'apprendre d'autres choses. Vraiment sur l'étude du sol, sur diverses techniques d'aménagement. Et nous disons au recteur que s'il nous donne des moyens, on va transformer l'image de l'Université Cheikh Diop. Après 2 semaines de formation, nous avons jugé utile de venir en compagnie de la directrice des ressources humaines pour constater ce que les agents sont en train de faire sur le site. Et nous sommes agréablement surpris, nous attendons leur retour avec vraiment impatience pour voir ensemble comment les aider, les accompagner à mettre en œuvre l'ensemble des attitudes et des aptitudes qu'ils ont eu à avoir au niveau de cette formation. Nous sommes beaucoup plus rassurés que l'université aura un cadre de vie beaucoup plus agréable, vivable, aimable, respirable. Et ceci grâce à cette ressource humaine de qualité qui a suivi une formation extrêmement importante. Depuis 1991, nous avons l'université, embossé, nous avons activité d'espace vert, environnement, Baba Bataï. Mais ce qui nous a donné, c'est que les gens qui sont là, ils veulent le faire, ils veulent améliorer le travail. Ils veulent avoir des connaissances qui peuvent être dans la vie. Ils travaillent sur des produits qui ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ils devraient le savoir. La protection est importante. Ils devraient garantir notre vie, notre vie, notre vie, dans le travail. C'est ce qu'ils ont pris des connaissances qui connaissent aujourd'hui. C'est bon. Amna yu ñu doon jankontel insecte yek walu yi ci bir garab yek yi ci lool lepp lu ñu umpulé won la wala ndax di nga ci gis lo xamni ni daawo ko xam tay ji leer na ci sa bop wala walu suuf ci tay yamul ci ñu jangal ñu garab ndax environnement bi ni muy doxé ak ni muy teudé ak suuf yi wuté gi mu wuté ak li nga bëgga def li tax mu man la jox résultat bi nga soxla loola yit xam xam la yo xamni ni jëlé nañ ko fi tay ji.